Les tribunes de la presse, c'est l'occasion pour nous de se pencher sur l'actualité. Mmh. Alors, je vous propose justement que nous puissions poser des questions très précises sur l'épidémie au professeur Bernard Bégaud. Vous êtes professeur en pharmacologie, oui. À Bordeaux. Oui. Et du coup, vous pouvez répondre à des questions sur les vaccins, a priori, puisque oui, ça fait partie ce qui est de votre... médicaments, produits de santé, crise. Bon, par contre, je ne suis pas infectiologue, en revanche. De votre spécialité, oui, tout à fait. Sans vaccin, est-ce qu'on va vers une troisième vague? Alors, je retournerai votre question. Je dirais que le vaccin va probablement nous permettre, effectivement, d'éviter une troisième vague, enfin, s'ils arrivent à temps. Parce que c'est quand même pas aussi sûr que les médias l'annoncent. Donc s'il n'arrive pas, il y aurait une troisième vague. Ah, j'en sais rien. Disons qu'on ne peut pas exclure, parce que ce sont des pics épidémiques hein, que l'on observe. Avec donc, des mutations du virus? Ça, c'est possible aussi. Voilà, attends, ça, c'est dans la nature même des virus, c'est de muter. Hein. Donc a priori, si le virus circule, il s'adapte, il mute. Et on a, par la circulation, par les animaux, enfin les migrations et autres, des pics épidémiques réguliers, voilà, automne, printemps, et ça, on les verra. Comment est-ce qu'on peut faire un vaccin pour un virus qui mute? Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, on le fait pour le virus que l'on a identifié, que l'on a. Après, on espère qu'il ne va pas muter. Ça, en général, il mute, mais pas toujours. Hein. Et deuxièmement, on espère, et ça, c'est beaucoup plus souvent vérifié, que le vaccin que l'on a fait pour le virus A aura une immunité croisée pour le virus B, C ou D. C'est-à-dire qu'il restera quand même de la protection, même si le virus n'est plus tout à fait le même. Alors, on est d'accord qu'un virus, justement, quand on l'a isolé pour faire le vaccin, avec le vaccin, on essaye de simuler finalement le fait d'avoir été malade. Absolument. En quelque sorte. Donc, est-ce que les personnes qui ont été malades sont protégées aujourd'hui? Ah ben, vous savez, vous avez lu, il existe malheureusement quelques centaines, peut-être exagéré, mais au moins une centaine d'articles contradictoires sur le sujet. Oui, il y a une immunité. Elle est plus longue, semble-t-il, chez la femme que chez l'homme, pour des raisons que l'on ne connaît pas. Et elle n'est pas totale, c'est-à-dire que l'on a bien identifié, semble-t-il, des gens qui ont été malades, qui ont acquis l'immunité, mais qui ont rechuté. Alors, peut-être, est-ce que c'est peut-être une question de durée? Est-ce qu'on est protégé plus ou moins longtemps quand on a été malade? Et justement, est-ce que si le virus a muté, est-ce que ça peut être cela qui crée ce défaut d'immunité? On ne sait pas. Alors là, pour le coup, personne ne peut répondre aujourd'hui précisément à cette question. Ce qui est sûr, c'est que pour les vaccins qui arrivent, là, personne ne sait la durée de protection qu'ils entraînent. Vous voyez, est-ce que c'est quelques mois? Est-ce que c'est plusieurs années? Ou est-ce que c'est ce qui paraît douteux, là, pour le coup, à vie, comme certains vaccins? Par exemple, il y a des vaccins, on est vacciné dans l'enfance et on est protégé toute la vie, comme l'hépatite B, par exemple. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on espère qu'un vaccin serait plus efficace que le fait d'avoir eu la maladie. Ce n'est pas exclu, parce qu'il y a... vous voyez, il y a... Le choc antigénique, comme on dit, qui est créé par le virus quand vous l'attrapez en tant que malade, le vaccin, là, il va se faire en deux doses, c'est-à-dire qu'on crée deux chocs, en gros, et on espère stimuler une immunité de façon plus durable. Mais ce n'est qu'un espoir, parce que personne n'a aujourd'hui les données long terme sur la protection des vaccins candidats, là, qui arriveraient à la fin de l'année ou au début de 2021. Personne ne sait. Alors justement, vous dites quelque part, il ne faut pas précipiter les choses, oui. Il ne faut pas mettre la pression sur les agences qui sont censées justement vérifier oui. Ces vaccins-là. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il pourrait y avoir des risques. Il n'y a pas que les complotistes qui disent qu'un vaccin, ça peut avoir un risque. Oui, alors il y a les risques, mais il n'y a pas que les risques. Du reste, sur l'efficacité, il faudra que... Les gens regardent, enfin les agences hein, américaines, européennes, regardent effectivement quels sont les éléments pour estimer la durée de la protection, si elle varie selon l'âge, ce qui est très important, parce que si on décide de vacciner les personnes âgées,
et que je n'en sais rien, mais que personne ne sait du reste, que ce vaccin serait moins efficace chez les personnes âgées, c'est un peu gênant, vous voyez, selon le sexe, etc. Et puis, effectivement, les données de ce que l'on appelle la tolérance, c'est-à-dire les effets indésirables. Donc, il faut regarder ça très précisément. Et moi, j'ai fait partie des gens qui ont signé un document adressé à l'Union européenne pour que l'on respecte les étapes et le travail des agences. Parce que, bon, on n'est pas à un mois et demi près. Vous voyez, là, on sort, j'espère, d'un pic, enfin, d'une deuxième vague qui est la première à Bordeaux, mais qui est la deuxième en Europe et en France. Si pic il y a, il ne sera pas avant, je l'espère, le printemps. On n'est pas à 15 jours près, vous voyez. Donc, il faut laisser aux agences le temps de bien regarder le dossier, de poser les bonnes questions, de demander éventuellement des données complémentaires et de ne pas se précipiter parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et justement, est-ce que le fait que quand on questionne le vaccin, on soit systématiquement très vite catégorisé dans anti-vaccin ou dans complotiste, est-ce que ça ne met pas une certaine pression dans le débat public? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement pouvoir vraiment se poser ces questions au calme et s'assurer Absolument. Justement de la validité? Si jamais il y a un problème, vous êtes, j'imagine, le premier à voir que ça pourrait être un risque beaucoup plus large, notamment en termes de communication. Absolument. Donc il faut que ce soit une analyse impartiale, transparente. C'est très important la transparence. Il y a des conflits d'intérêts vis-à-vis de ceci, il y a des intérêts de politique. Et pourtant, pas de pharmacologue dans le Dans le suivi, oui, pour l'instant, du comité de suivi des vaccins, il n'y a pas de pharmacovigilance, ce qui est quand même très très bizarre, alors que c'est leur mission et c'est le seul le seul système réglementairement en charge de ça. Enfin bon, j'espère que ça va changer. Mais je pense que c'est très important qu'il y ait une crédibilité parce que l'opinion a besoin de s'y retrouver, quoi. Dès lors que ça commence à patouiller, les gens vont se méfier à tort, sans doute, mais de quelque chose de pas clair. Merci en tout cas d'être venu essayer de répondre à Merci nos questions beaucoup. Sur Merci ce beaucoup. Plateau. J'imagine qu'on est susceptible de se revoir dans les mois qui viennent. Peut-être, oui. Avec grand plaisir. Mais avec de bonnes nouvelles, j'espère. Avec de bonnes nouvelles. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite dans ces tribunes de la presse.